excusez-moi. Oui. Quels sont tous ces noms? Ce jour-là, j'ai fait le pire cauchemar qu'un soldat puisse faire. Je ne parle pas de celui de rencontrer la mort. En tant que soldat, on la rencontre tous les jours. Dans les tranchées, au front, dès qu'on franchit notre ligne et qu'on traverse le champ de bataille, on fait face à l'enfer sur Terre. La violence, la peur, les cadavres, voir ses frères se faire massacrer. Non. Ce jour-là, j'ai fait le véritable cauchemar qu'un soldat ne veut vivre en aucun cas. Celui que nos descendants, les héritiers de nos malheureuses erreurs, les enfants du futur, s'il existe un futur, oublient notre combat. Oublient notre passage injuste dans l'histoire. J'ai fait le cauchemar que mes enfants oublient le sacrifice de 10 millions de soldats morts au combat. 9 millions de civils tués. 21 millions de blessés. Et combien de traumatisés. Alors toi, que tu sois l'enfant de mes frères ou que tu sois mon enfant, dans 100 ans, 101 ans, 200 ans, 500 ans, souviens-toi de la Grande Guerre. Et n'oublie pas. Toi qui marches dans l'allée du cimetière, toi dont le cœur est serré et l'esprit ailleurs, tu penses à tous ces mois, tous ces jours, toutes ces heures, passées sous l'emprise de la guerre et de la peur. L'histoire se déroule comme un film dans ta tête. Tu cherches à comprendre, mais tu te heurtes à des peut-être. Hélas, tu ne nous vois pas. Pour toi, nous ne sommes que des croix. Écoute notre histoire et tu comprendras. Nous sommes morts prisonniers ou tués au front, après nous être battus corps et âme pour la nation. Malgré la douleur qui nous affligeait, l'envie de servir notre pays nous tenaillait. Pourquoi tant de haine, tant de violence? Hélas, la guerre trop souvent recommence. Le monde retombe parfois en transe. Et l'ultime sacrifice que nous avons fait, serait-il oublié? N'oublie pas.